bit. I got two phones, one for the plug and one for the load. I got two phones, one for the beaches and one for the dough. Think I need two more. Lamp popping, I'm ring, ring, ringing. Count money while it ring, ring, ring. Trap jumping, I'm ring, ring, ring. On vient de sortir de la soirée là et vous allez rigoler, mais en fait j'ai fait un speech de 5 à 10 minutes et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton.
Et tu fumes pas ce qui... Punaise, trop la rage. Donc voilà, c'était pas prévu, les chiens, tout ça. Enfin bref. Donc, c'était pour vous dire que... Du coup, j'ai assisté... Ouais, il m'a fait flipper. Du coup, j'ai assisté au concert de Kevin Gates. Je suis arrivé. Comme je vous ai dit, je connaissais des personnes du staff. Son DJ et puis son caméraman. Et donc, du coup, dès que je suis arrivé, bah, ils étaient là. Donc, je les ai check. Tac, hop. Pour passer les détails, j'ai discuté plus avec son caméraman Spencer. Donc, du coup, j'ai pu recevoir le bracelet. Parce que voilà. Ensuite, tac, le concert se passe. Donc première partie, c'était Young Greatness, un gars que je connais pas. Et le gars, devinez qui est-ce qui ramène en invité surprise, mec. Alors que c'est une première partie et que j'ai jamais entendu parler de ce gars. Donc pour moi, c'est un peu moins qu'un rookie, tu vois. Le gars, il a ramené Akon, mec. Akon. Non mais c'est ouf, quoi. Tu vois. Comme quoi tout est possible, mec. Tu peux être le plus petit MC de France. Bim bam boum, tu vois, tu peux faire des feats avec des gros lards, tu vois. Mais en France, ça fonctionne pas comme ça. Enfin bref, je m'égare. Donc c'était pour vous dire tout ça. Ensuite, après, c'est OG Booby Black. Et ensuite, bah, Kevin Gates. Kevin Gates a tout détruit, tu vois. Franchement, lourd. La salle complète. Et ouais. Juste vite fait, quand il est sur scène, mec, il est limite possédé. T'as l'impression qu'il est schizophrène, tu vois, qu'il a genre d'autres personnes dans sa tête, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, au final, j'ai pas pu le voir pour passer les détails. Voilà, donc là, je rentre. J'avais une autre soirée. Mais du coup, comme il est trop tard, parce que là, il est exactement, je sais pas, il est 1h15, là. 1h15 du matin. Donc voilà, donc la journée c'était ça le programme. Je sais pas, je vais pas dire. Pff, ouais, c'est un peu une journée, je vais pas dire perdue parce que bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc voilà. Donc du coup là on rentre et voilà. On rentre et c'est la fin. Yo yo yo, c'est le BIG. Yes. Bon, là, où est-ce qu'on va? Et ben là, on va aller, tu sais, genre dans un bar, tout ça. On va aller voir la finale du Super Bowl. Parce que ce serait bête, tu vois, de louper cette occasion de voir l'ambiance dans les bars. Donc, tu vois, ce matin, j'ai eu un peu la flemme, tu vois, parce que je suis rentré tard. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le match, le Classico Marseille contre Paris. Et donc du coup j'ai vu le match et il était lourd, hein. Franchement je vous cache pas, les Marseillais méritaient de gagner, hein. Mais bon, hein, faut être réaliste, hein. C'est bien d'avoir la possession de la balle mais faut concrétiser les choses et c'est ce qu'ils ont fait Paris. Donc voilà, donc là on va aller dans un petit truc, j'ai vu il y avait un petit bar truc gratuit, donc on va y aller. Et voilà, et puis ce soir, je pense que en rentrant, je vais aller manger dans un fast-food que j'ai mangé il y a 2 jours. Ça s'appelle Church Kitchen Chicken. Et en fait, dedans, j'avais pris un menu, tu vois, genre à 5$. Ça fait, avec les taxes, ça faisait 5,50$. Ça fait quoi, 5€. Et franchement, sans vous mentir, j'avais l'impression d'avoir un menu maxi best-of. C'est-à-dire... là-bas, la combo small, c'est-à-dire la petite boisson, mec, c'est la grosse boisson de chez McDo, 50 centilitres, mec. La grosse frite, mec, je crois qu'elle est encore plus grosse, enfin la frite small, elle est encore plus grosse que la maxi best-of. Et c'est des grosses frites. Donc voilà, donc l'objectif, c'est ça, c'est ce que je vais faire là. Puis là, juste avant de partir, tu vois, j'attendais un gars, il m'a fait « Ouais, vas-y, je vais venir avec toi ». Donc du coup, bah, il est pas venu. Et j'étais assis tranquille, je commence à regarder le Super Bowl, tout ça. Et tu vois, ils ont un gros chien. Vous avez peut-être dû le voir dans une précédente vidéo. Et il a tenté de me violer, le chien. Il est fou, lui. Et il y a Young Daddy pour ça, bro. Ou il y a Sayedi. Non, donc voilà, donc... Donc là, c'est dimanche.
pas grand chose à faire, il n'y a pas de mouvement. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va faire. And tune the money niggas out. I'm the youngest nigga reppin'. Every time I'm steppin' out, and if we step outside your face, we pop up running for your house. Niggas think because we conscious, we don't really get it poppin'. They forgot we from the bottom. Bon, du coup, vous allez vous dire, mais on n'a pas vu le bar. Vous avez pas vu le bar parce que, en fait, ce n'était pas un bar. Smithers, make me slap him. You call that a slap? Make me slap you. Now both. Now just you. Now give me a taste. Now both again. C'était un restaurant. Donc du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je vais pas me poser là, tranquille. Les gens sont en train de manger, ils ont payé tout ça. Je fais, vas-y, hop. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. Donc là, je vais retourner à l'auberge de jeunesse, tu vois. Et du coup, en fait, le truc que je vais faire, c'est, tu vois, je pense que je vais me poser vite fait quelques minutes. Et après, en fait, je vais marcher. Et si je trouve un fast-food que je ne connais pas, on va tester un truc là-dedans, d'accord? Yo, 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 yo. Donc, du coup, on est à El Pollo Loco. Donc, c'est des trucs mexicains, tu vois, genre burritos, nanani. Donc, voilà, on a testé ça. On va tester, quoi. On va tester, quoi. Donc, voici... Le burritos, bro. Gros truc, j'espère que c'est lourd. Hein.